Souhaitons la bienvenue ce matin à la suite de notre série de messages Lumière sur Dieu, Lumière sur les noms de Dieu. Nous allons pendant tout l'été étudier les différents noms de Dieu parce qu'il est essentiel pour nous afin, si nous voulons reconnaître le vrai du faux et refuser et résister au faux, on doit connaître les noms de Dieu. C'est important, tellement important de connaître ses noms parce qu'ils expriment qui il est. Si nous voulons recevoir de lui pour trouver le repos de Dieu, plus nous le connaissons, plus il y a une confiance et une paix qui s'enracine en nous. C'est important pour répandre son nom. Vous devez le connaître pour répandre son nom. C'est important dans nos réalités modernes. Vous allez voir, dans notre vie de tous les jours, les noms de Dieu viennent rencontrer des besoins dans chaque situation de nos vies. C'est aussi important pour rétablir son nom. Rétablir son nom euh, dans, euh, euh, auprès de, de notre nation, des gens euh, qui nous entourent, de nos familles, des gens autour de nous, dans nos propres cœurs et autour de nous, parce que son nom a été réduit. Dans Isaïe chapitre 54, qui est notre verset de départ, Isaïe 52, pardon, versets 5 à 6, nous lisons, c'est Dieu qui parle. Il dit, à chaque jour, mon nom est outragé, mon nom est sali, mon nom est diminué. C'est pourquoi mon peuple doit connaître mon nom. Je vais révéler mon nom à mon peuple et c'est pourquoi il me reconnaîtra en ce jour. Il saura que c'est moi qui parle et qui dit « me voici important de, de connaître son nom, important de, de le faire connaître. De, de, et Dieu dit, mon nom a été souillé, mon nom a été saboté euh, au, au fil des âges. Et lorsqu'on regarde au contexte un texte biblique, hors de son contexte vient souvent prétexte et souvent, en regardant au contexte qu'on comprend la pleine signification, à quel point c'est sérieux pour Dieu. Parce que les versets juste avant et suivant le texte que je viens de lire dans Isaïe 52, Dieu dit, détache les chaînes de ton cou, comme si quelqu'un était prisonnier. Toi qui est devenu captif. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, car mon peuple a été enlevé, littéralement prisonnier, amené, kidnappé, en exil. C'est pourquoi mon peuple doit connaître mon nom, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles et qui annonce la paix et le salut en mon nom. Et littéralement, un portrait euh, d'une nation à qui euh, on avait, euh, le nom de Dieu avait été saboté dans cette nation-là. C'est comme si le peuple est amené euh, en exil. Et il y a toute une génération, plusieurs générations en fait, ici, euh, dans la province de Québec, qui sont en exil de Dieu. Ici et dans la francophonie, qui sont euh, en exil. C'est le Québec et la francophonie euh, depuis un siècle. Plusieurs générations ont été en exil loin de Dieu, kidnappées, se sont éloignées euh, de Dieu parce que de fausses euh, et souvent dommageable et aliénante représentation de Dieu leur a été donnée. Et notre appel, notre tâche, c'est de tellement connaître son nom afin de rétablir qui il est dans, euh, le, dans, dans le, pour les, les multitudes autour de nous. Et c'est tellement important que c'est même une question que Jésus a posée à ses disciples. Jésus a, en, en faisait à ses disciples, euh, « Qui les gens disent-ils que je suis? » C'est quoi mon nom? Comment, comment les gens me voient? Comment les gens me, me, me perçoivent? Et il parlait à des religieux. Et dans euh, l'évangile de Matthieu chapitre 16 au verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, Qui dit-on que je suis? C'est quoi mon nom? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, Qui dites-vous que euh, je suis? Et après des siècles, il parle des gens qui avaient un arrière-plan religieux, et après des siècles de rituels et de religions réduisantes... Les gens, il y avait trois courants de pensée concernant qui est Dieu, là, euh, qui est Dieu et qui les hommes disent-ils disent que je suis. Et ces courants sont encore présents aujourd'hui, sont réduisants, mais ils sont encore bien réels aujourd'hui. Certains disaient, est euh, Dieu seulement au message de Jean-Baptiste. Certains disaient, euh, tu es Jean-Baptiste, c'est la pureté, c'est la repentance, c'est le salut, c'est la sanctification. Et tout cela sont des aspects des noms de Dieu. Mais s'il n'y a que cela, très souvent, beaucoup d'églises, beaucoup d'endroits où tout ce que tu as, c'est... C'est sanctification et salut. Et, et, tu as, et ça peut conduire au légalisme, ça peut conduire à l'élitisme, ça peut conduire à la condamnation et à une absence de sa grâce. Certains disent que tu es seulement Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie. Et si Jean-Baptiste est pureté, repentance, salut, sanctification, Élie euh, le, représente l'évangile le, de puissance, réveil, le surnaturel. Puis il y a des gens dans le monde euh, évangélique qui sont cantonnés à juste euh, euh, les signes, le, le surnaturel, le, le réveil qui va euh, venir. Les dons de l'Esprit et chacune de ces facettes sont des facettes du nom de Dieu, mais euh, ce n'est pas que cela. Et il y a les dons de l'Esprit, mais très souvent dans ces cercles négligés, la transformation de Dieu dans les vies, le, le fruit de l'Esprit, le, le témoignage, la, le miracle, oui, mais la moisson, les âmes, l'appel, le salut, le cœur de justice de Jésus pour ceux qui souffrent. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, pureté, sanctification seulement. D'autres disent que tu es l'impuissance, puissance, réveil surnaturel. Et d'autres disent à qui les que je suis. Il y en a qui disent que tu es Jérémie, le prophétique. Puis il y a des cercles modernes encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, le prophétique. Et tout l'ensemble de leur vie est sur le retour de Christ et sur euh, les signes, les signes des temps, de Daniel à l'Apocalypse et les prophéties, et un signe et un autre, et, et, et l'Antichrist et il y a, et le nom de Dieu est bien réel qu'il est venu et qu'il va revenir. Mais si tu te cantonnes là-dedans, sa la seule portion de son nom que tu connais, tu vas oublier qu'avant qu'il revienne, nous avons une tâche à faire sur cette terre. Nous avons une moisson à faire. À aller chercher devant une représentation de Dieu, à aller chercher sur cette table. Qui les hommes disent-ils que je suis? Il y en a qui disent que tu es. Jean-Baptiste, Élie et Jérémie. Et Simon-Pierre répondit, verset 16. Et, et l'apôtre Pierre est magnifique parce que il avait la capacité... Euh, l'apôtre Pierre disait toujours à voix haute euh, des choses que... Les, et parfois, il, va, il, il avait la capacité dans la même phrase de dire des choses divines et des choses pas trop euh, divines. Mais là, il est dans un filon parce qu'il dit... Euh, 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 Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es tout ça, Seigneur, mais tu es un Dieu vivant et tous tes noms viennent s'accomplir en Jésus Christ. Jésus lui dit euh, Tu es heureux, tu es béni, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, tu es pétros. tu es un caillou, mais que sur cette pierre, sur ce rocher Pétra, je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévendront pas contre elle. Je vais te donner les clés du royaume de Dieu. Tu es le Christ, tu es le fils du Dieu vivant. Ce n'est pas la chair qui t'a révélé ça. Et Dieu veut nous révéler pendant cet été des facettes de son nom que le religieux, que le rituel ne m'a pas révélé encore. Et ces facettes vont donner une autorité à ta vie. Il a dit, je vais bâtir mon église sur la révélation. À ce 25e de Nouvelle-Vie, Nouvelle-Vie n'a pas été bâtie sur une révélation d'hier. Nous avons été bâtis dans une recherche de la révélation de Dieu. Et combien croit que Dieu n'a pas fini de se révéler à nous pour cette prochaine décennie ensemble? Et je vais te donner les clés. Quelles que soient les facettes du nom de Dieu que tu as, il y a des situations que tu traverses aujourd'hui que tu as besoin d'une fraîche révélation du nom de Dieu. Pourquoi? Parce que les clés, euh, il dit sur la révélation, toi tu es juste un caillou, mais sur la révélation euh, que je te donne, révélée par que le pardon de qui je suis, de mes noms, de toutes la, les facettes de qui je suis, je vais te donner des clés. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir des fraîches révélations de son nom pendant cet été 2018 et à chaque année que tu vas marcher avec lui? Parce que les clés, d'ailleurs, ne fonctionnent pas toujours ici. Dans le monde chrétien en ce moment, il y a tout un univers avec l'Internet et tout ça, euh, où il y a une église à quelque part qui reçoit une clé de Dieu. Et là, tout le monde se met à copier la clé. Il faut à, à faire des copies de la clé passer de la plier ici. Il y a plein d'églises au Québec qui se frappent le nez sur le mur parce qu'il y a des clés que Dieu a données ailleurs qui ne fonctionnent pas ici. Il y a des clés euh, que Dieu a données à quelqu'un d'autre qui n'ouvre pas toujours les portes pour toi, ici pour toi. Euh, attention à copier à, 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 ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Ou, ou même, je dirais ceci, attention parce qu'il y a des clés d'hier dans ma vie qui n'ouvriront pas les portes d'aujourd'hui. Tu ne peux pas te reposer sur ce que tu as connu hier. Il y a un héritage de la connaissance de Dieu qui est là dans toutes les situations de ta vie qui demeure vraies, mais il y a de fraîches facettes de qui Dieu est et de son nom que Dieu va révéler. Combien de dire avec moi, Seigneur, viens nous renouveler dans une fraîche révélation. Et voulez-vous applaudir parce que Dieu va répondre à ce cri-là et à ce cœur-là? Alors, ce matin, nous allons regarder au premier nom qui est utilisé. Il y a des dizaines et des dizaines de noms pour Dieu dans la Bible. Chacun est descriptif d'une partie de qui il est, de ce qu'il veut faire dans nos vies, de ce qu'il veut être pour nous. Mais dans la, nous allons regarder au premier nom qui est utilisé pour Dieu dans la Bible, dans l'hébreu de l'Ancien Testament, le nom de Elohim. Nous allons faire un peu de théologie ce matin. Et la théologie, le, le, le mot fait peur parfois, théologie, c'est théos et logos, c'est parler de Dieu. Je veux que vous, euh, vous soyez certains ce matin, en commençant, n'ayez pas peur euh, de la théologie. La théologie, théologie n'est pas ennuyeuse, la théologie, théologie n'est pas en québécois plate, la théologie, euh, pas, euh, la, la théologie ce n'est pas pour une élite euh, euh, ou une intellectualisation stérile, ce n'est pas une source d'orgueil spirituel et de condescendance. Moi, je connais euh, ma théologie, ce n'est surtout pas euh, d'un côté à l'esprit et l'action de Dieu puis de l'autre côté à la théologie au contraire euh, la bible nous dit ceux qui connaissent leur dieu ceux qui connaissent leur dieu c'est eux qui vont faire des exploits et ce matin nous allons étudier ensemble ce mot euh, de, de, de sourire à la personne près de vous et dites-lui tu vas apprendre quelque chose ce matin dites ça à quelqu'un près de vous regardons ensemble à ce premier nom de Dieu Elohim dans l'hébreu et, et, et le mot veut dire est descriptif le mot littéralement signifie il est Dieu, le Créateur Tout-Puissant. C'est le premier mot qu'on utilise pour décrire Dieu dans Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Il est le Créateur Tout-Puissant et quelques pensées ce matin sur Dieu, sur Elohim. Elohim est plus, il est, il est plus que. En termes théologiques, il est transcendant. Elohim est partout, il est proche, il est omniprésent. Elohim est le puissant créateur de toutes les possibilités, il est omnipotent. Et Elohim est venu parmi nous, il est personnel, il est Jésus. Elohim est plus que, notre Dieu est plus que, il est transcendant. Genèse 1.1, 1. au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 35 fois euh, au commencement des écritures vous allez avoir le, le, le nom de le, le de Elohim, le, le nom Elohim pour euh, décrire Dieu de chapitre 1 1 à 2 3 euh, par la suite d'autres noms de Dieu vont venir dans ce qu'on appelle la révélation progressive mais il y a un fondement il y a un fondement qui commence avec cette révélation de qui est notre Dieu est eh, il est Elohim euh, Elohim les premières impressions sont importantes il se présente en commençant il se présente comme le créateur tout-puissant pourquoi Parce qu'il veut que nous reconnaissions qu'il est transcendant. Le terme théologique, il est plus que... Il est transcendant. Que, que notre Dieu transcende sa création. Il n'est pas... Dieu n'est pas un arbre, il n'est pas une rivière, il n'est pas euh, la lune, il n'est pas le soleil, il n'est pas un papillon, euh, il n'est pas une partie de sa création. Il est plus que... Que sa création. C'est la différence entre la foi chrétienne et le polythéisme et, et plusieurs religions. Et vous remarquerez que dans de grands courants de religions mondiales qui vont adorer des créatures, des animaux, qui vont adorer la créature plutôt que le Créateur, il y a au fil des siècles une, une dévaluation de l'être humain. Lorsque j'étais aux Indes et que et tu vois dans des pays comme les Indes et que tu vois euh, à travers l'hindouisme, par exemple, la vache sacrée, il y a, il y a, il y a toute une, une adoration de, euh, sur différentes créatures. Il y a un mépris absolu pour l'être humain. C'est des endroits, des pays de, de caste, des pays d'esclavage. Lorsque j'étais euh, à Katmandou, au Népal, il y avait dans un pays, un des pays les plus pauvres du monde, des des centaines de villages qui n'ont ni eau, ni électricité, où les, gens, les enfants n'ont rien. Et j'étais là, ça a donné que j'étais là pendant une semaine qu'on appelle le festival. Du chien et eux adorent le, le chien et littéralement j'ai vu ça de mes yeux j'ai pris des photos de gens qui marchaient dans la rue et amassent leur argent toute l'année pour mettre un collier de perles autour du cou de leur chien et lorsque tu et, et, et alors l'enseignement biblique c'est que tu et Elohim est plus que nous adorons le Créateur. Et remarquez que dans toute la, dans la pensée chrétienne, lorsque tu adores le Créateur, tu as compassion, amour et un, un cœur de justice pour ses créations qui sont à l'image du Créateur, pour l'être humain qui a une valeur. Je vous dire, Amen, quel, quel que soit où il est, la couleur de sa peau a une valeur intrinsèque parce qu'il est à l'image de Dieu. Il est Elohim, il est plus que, il est transcendant. Il transcende sa création, il transcende le temps. Au commencement... Dieu, au commencement, Elohim, il veut que nous sachions qu'il est à part, il est hors des contraintes du temps. Dieu a créé les comm le, le commencement, il a créé le temps, et si Dieu a créé le temps, Dieu a précédé le temps. Il n'aurait pas pu créer quelque chose qui existait déjà. Quand vous et moi discutons du concept du temps, du chronos, de façon linéaire ou chronologique, nous ne devons pas, nous ne pouvons pas essayer d'y réduire Dieu car il existe hors du temps. Il transcende le temps. C'est la transcendance et la pré-existence de Dieu. La seule chose que nous connaissons, qui est dans notre compréhension, qui est hors du temps, c'est la notion d'éternité. Dieu existe hors du temps. Dieu n'a jamais été limité par le temps. Il vit dans l'éternité. Il transcende sa création, nous. Nous combattons et nous sommes limités par les contraintes du temps. Mais Dieu est plus que le temps. C'est pourquoi la Bible réfère toujours à Dieu au temps présent. Vous et moi avons des hier et nous avons des demain. Nous sommes sujets aux limites et même aux ravages du temps. Ne regardez personne. La détérioration causée par le temps, le vieillissement. Mais Dieu n'a ni hier, ni demain. Avec Dieu et par Dieu et pour Dieu, toutes choses sont au maintenant, au moment présent. It's the right now, God. Parce qu'il n'a pas de passé ou de futur. Il est le Dieu du aujourd'hui, du maintenant, toujours au présent. Lorsque la Bible nous parle du ciel, de l'après-vie pour le croyant, c'est alors que nous allons capturer. Nous allons nous serons alors avec lui, avec Elohim qui est transcendant du temps, dans des corps qui seront ressuscités, des corps qui seront euh, glorifiés pour vivre dans l'éternité. Nous allons mieux comprendre ce que signifie d'être avec Dieu, Elohim, qui transcende le temps. Nous allons expérimenter qu'il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de déchéance, il n'y a plus de perte. Nous allons, être, nous allons vivre, toutes choses vont être ce qu'elles sont en, en simultané ou dans un milliard d'années, tout sera pour toujours au maintenant. Il est transcendant, il transcende le temps. Vous dites, ouais, ok, j'essaie de te suivre, mais qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie aujourd'hui? J'ai entendu quelqu'un penser ça, j'entends vos pensées de rangée numéro 4, de bas numéro 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec Dieu, Elohim, il est plus qu'il transcende le temps, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais en retard. Il ne manque jamais de temps. Il ne perd jamais son temps. Temps. Si tu abandonnes ta vie entre ses mains, tu penses qu'il se passe à rien. Dieu est en train d'agir dans ta vie. Il ne gaspille jamais le temps. Avec Dieu, nous sommes appelés à racheter le temps. Le temps ne, ne joue pas contre nous. Le temps joue avec nous. Avec Dieu qui est alpha et oméga, il est en parfait contrôle du temps. Il y a un repos, il y a une paix, il y a une confiance, il y a une assurance de, en, dans la connaissance que ses temps à lui sont parfaits. Avec Dieu, il n'y a pas de c'était le bon vieux temps. Il n'y a pas de nostalgie évangélique avec Dieu. Le meilleur temps, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Il est le Dieu du maintenant. Dites oui, quelqu'un Avec Dieu, avec Dieu, c'est certains de nos combats sur cette terre qui semblent prendre tellement beaucoup de temps. Mais Dieu Elohim nous rappelle, le Créateur puissant et transcendant, qu'il donne à nos victoires spirituelles sur cette terre une transcendance éternelle. Amen. Cette semaine, j'ai été privilégié, dimanche dernier, en fait, d'aller visiter, puis il nous écoute en streaming en ce moment, lui, un ami, il sait une nouvelle vie, Marc et son épouse Diane, et Marc est à ses derniers jours de vie, il le sait. Et, et, et d'une manière très particulière. Il est environné de la présence de Dieu, il est en paix. Il a, on en parle ensemble, il a, il, a, il a fait une vidéo pour sa famille et c'était tellement émouvant lorsque je regardais cette vidéo de la manière qu'il parle. Il m'a dit plusieurs fois dimanche dernier Je suis prêt, j'ai hâte de partir. Il est dans une paix. Moi, j'étais au chevet de gens qui quittaient cette terre, qui étaient des millionnaires, qui avaient toutes sortes, de, qui étaient terrorisés, qui avaient une terreur, qui avaient des regrets. Et lui est là dans une paix extraordinaire. Il s'apprête à transcender le temps, lui aussi. Euh, et alors qu'on était euh, ensemble, il me racontait je ne serait pas conscient de, de Saint-Médic. Vous savez comment pendant 12 ans, mon épouse Diane qui est avec lui, 12 ans, Diane venait à l'Église et lui était à cause d'expériences qu'il avait vécues avec euh, une, une défi. Yeah. On avait eu la vision qu'il avait du nom de Dieu avait été défigurée et, euh, à, à travers le religieux qu'il avait connu et, et toutes sortes d'expériences qu'il avait vécues. Et lorsque sa femme a commencé à venir à l'Église, il était contre, il était pendant 12 ans, c'est beaucoup de temps. Pendant pendant 12 ans, elle a prié pour lui. Toutes sortes de... Il y a des semaines où il venait, il sortait, il me dit «Pasteur Claude, vous savez pas combien de fois, vous savez pas tout ce que j'ai dit sur vous pendant ces 12 ans-là. J'ai dit Dis-moi les pas, Marc, dis-moi les pas, qu'est-ce que tu as dit sur moi. Elle dit Vous veniez. Il y avait la grosse salle, et on dirait n'importe quel message, le dimanche que je venais, tu mettais ton doigt direct dans mon cœur, puis Lui, là, regarde à sa femme, il dit Tu as parlé, tu as parlé de nous autres. Et pendant 12 ans, ça peut sembler long, mais pendant 12 ans, je salue ce matin cette femme de Dieu qui croyait en un Dieu qui est au présent. Après 12 ans, Marc a non seulement donné sa vie au Seigneur, mais il reçoit maintenant une récompense qui va transcender le temps. Lâche pas, abandonne pas, prie, aime, continue. Il est Elohim, il est plus que le temps. Il est plus, il transcende sa création, il transcende le temps, il transcende l'espace et la matière. En d'autres mots, il précède et prédate sa création. Dieu Elohim créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre, c'est ce que les théologiens appellent un mérisme. C'est la, 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 la combinaison de deux mots en contraste afin de développer un raisonnement ou de mieux définir une entité euh, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Euh, les cieux et la terre, ça part de la création entière. Avant de créer l'humanité, Dieu a créé un lieu un espace dans lequel euh, l'humanité allait exister. Nous comprenons seulement les cieux et la terre parce que nous existons dans cet espace, mais Dieu existait alors que l'espace, que le matériel n'existait pas. Il est plus que l'espace et la matière. Il transcende l'espace et la matière. Tout ce que nous voyons de nos yeux est lié à la matière, la substance de tout ce que nous connaissons au niveau matériel, le, qui, qui réfère aux composantes physiques de l'univers mais Dieu euh, Dieu est transcende l'espace et la matière en d'autres mots il est Partout, pour que Dieu soit hors du temps et de l'espace, transcendant plus que le temps et l'espace et la matière, il doit exister et opérer dans une autre sphère et dimension qui n'est pas limitée par le temps et l'espace comme la nôtre. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas contenir ou essayer de comprendre dans un certain sens ou limiter Dieu à nos compréhensions et expériences et modes de mesure humaines. Il est plus que ça. Il y a des dimensions qui sont invisibles, très réelles dans le monde spirituel. Il y a toutes sortes de dynamiques, il y a toutes sortes d'activités, il y a toutes sortes d'actions de Dieu qui prennent place, que nous ne voyons pas dans le temps, dans l'espace, dans la matière, mais qui sont réelles. Les armes de notre combat ne sont pas physiques dans la matière, elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour abattre des forteresses. Dieu agit, il transcende le temps et l'espace. Il est littéralement. Elohim est plus que... En fait, Elohim est... Partout. Jérémie 23, 23 et 24. Ne suis-je pas un Dieu de près de l'Éternel? Ne suis-je pas le Dieu aussi de loin de le temps et l'espace? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? En train de dire littéralement, lorsque tu crois, lorsque tu le crois loin, lorsque tu crois Dieu loin, il est tout près, il est avec toi. Lorsque tu agis, comme si, comme si Dieu était loin, comme s'il ne voyait pas ce que tu fais. Lorsque tu agis en secret, comme si Dieu ne voyait pas ce que tu fais, il est là, près de toi. Lorsque tu te trouves dans un lieu, on disait ça, cette expression, on ne se parle pas d'un lieu géographique, mais surtout dans un lieu, dans une place, une place dans ma vie, la plus creuse, la plus loin, la plus haute, la plus basse. Il est là toujours avec toi. La compréhension de Elohim, qui est plus que, qui est partout littéralement, amène une consolation à nos cœurs en Dieu. Il y a une consolation de savoir, il n'est jamais loin. Il est là, il est avec moi. Amène aussi une consolation en Dieu et amène une crainte de Dieu la crainte de Dieu que ce que personne ne voit, il n'est jamais loin. Il n'est jamais très loin. Il est toujours là. Il voit ce que personne ne voit. Il voit les intentions du cœur. Il voit ce qui est secret. Il voit ce qui est. Alors il y a, il y a un sens, pas de, de terreur, mais il y a un sens de, de consolation en Dieu. Il est toujours là. Il y a un sens de crainte de Dieu. Il est toujours là. Il y a un sens de confiance en Dieu. Confiance et de calme en Dieu. Il n'est jamais loin. Il est toujours là. Lorsque je me suis loin il est demeuré là. Lorsque je ne le vois pas, lui me voit. Lorsque je ne le sens pas, il est là. Il ne m'a jamais quitté, rien ne peut me séparer de son amour. Mm -hmm. <applause> Elohim est partout. Elohim est proche de Salmis sur psaume 139 de 17 façon. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Il est partout, il est proche. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirai je loin de ta face? Si je monte au sud, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Il est loin, je suis, je me passe loin. Non, sa main est proche, sa main va me toucher, sa main va me conduire, sa main va me saisir. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Encore une fois, à double, à double euh, application. Si je pense que je suis couvert dans l'ombre, non. Tout ce qui si est caché va être mis en lumière. Mais lorsque je ne vois rien, lorsque tout est ténébreux, il y a toujours une lumière de Dieu. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Tu es Elohim, tu es plus que le temps, l'espace, ta création. Seigneur, tu es partout. La nuit brille comme le jour et les ténèbres deviennent comme lumière. Il dit littéralement, il dit littéralement, tu m'entoures euh, par derrière et par devant. Le, ça parle du passé et du futur. Il transcende le temps, il transcende l'espace. Il est Partout, derrière. Il, il tient, il était là dans mon passé, il est là dans mon présent, il est là dans mon avenir. Et à chaque instant, si je le veux, à chaque jour, à chaque vue, chaque saison de ma vie, si je le veux, sa main est proche. Sa main peut me saisir. Le Créateur de l'univers est proche de moi. Là aussi, ma main, ta main me conduira. Même lorsque c'est ténébreux, même lorsque tout est obscur, je ne vois plus, je vois juste la nuit dans ma vie, dans ma, ma relation avec toi, dans ma relation avec quelqu'un, dans mes enfants, dans mes petits-enfants, dans, dans mon cœur dans cette divorce que je traverse, dans un deuil, dans la maladie. Lorsque moi, je pense que c'est une nuit sans fin, toi, tu transcendes le temps, l'espace et les limitations humaines et tu as toujours une lumière à briller sur moi. Tu as toujours une aurore que tu prépares de ta grâce et de tes bénédictions. Quelqu'un devrait dire oui. Dans les, dans, de semaine en semaine, une des, une des, un, un des grands... Défi d'une église comme la nôtre, c'est une, une ville, c'est un village, il y a 4000, 5000 personnes, c'est une base régulière qui fréquente Nouvelle Vie. Alors à chaque semaine, il y a un feu roulant de besoins, de témoignages, et nous prions, et Dieu, lui, quelle quel, quel confiance, comment nos cœurs sont rassurés de savoir qu'il est Elohim, il est Dieu, qui est là, il est partout, il est le, le Créateur Tout-Puissant, il est proche, il est plus qu'il transcende chaque personne, chaque situation, il connaît. Là, ou n'importe où, où la salmiste, c'est dit que je sois n'importe où dans ma vie, tu es là, je pense je juste à quelques témoignages, juste des derniers jours, dernières semaines. Je le dirais de cette façon en termes modernes. Il était là. Il était là dans la chambre de cette jeune fille qui pendant des années souffrait de boulimie, souffrait d'anorexie, qui m'a témoigné cette semaine à quel point elle dans sa chambre, se passait tout ça en train de mourir un petit feu. Elle a crié à Dieu, a rejoint un groupe de femmes de l'église. Aujourd'hui, ça fait maintenant quatre ans qu'elle est complètement libérée de la boulimie, complètement libérée. Il était là. Il était là pour ses, ses parents qui, se, qui passaient des, des, des nuits, deux heures, trois heures du matin, à se tordre les mains dans la cuisine à propos d'un fils qui était toxicomane. Il était là, il était là, Dieu était là pour le ramener. Et mercredi soir, ils étaient ici ensemble. Le jeune homme célébrait un an de sobriété, un an à marcher avec Dieu. Il était là! Il était là, il transcende le temps, l'espace, nos limites. Il est partout. Il était là lorsque tout est ténébreux. Il était là. Il était là pour ce jeune, ce, ce, ce jeune mari, ce jeune époux, père, ce jeune papa qui me dit qu'à peine à peine un an dans sa voiture, la tête sur son volant, son mariage est en train d'éclater, son mariage est en train de sauter. Est-ce que ma, mon mariage est fini? Et il était ici cette semaine, me disant, Pastor Claude, c'est pas seulement correct, c'est mieux que ça n'a jamais été. Il était là. Dans la salle, dans le bureau du médecin, lorsque le médecin a dit à, à, à ses parents à propos du petit Mathis, ouais, ou à la petite Victoria, le mot «leucémie», les traitements, la leucémie. Mais Dieu était là, et il était là, là, dans les derniers mois, lorsque le même médecin a prononcé le mot «rémission» pour les deux enfants. Rémission complète. Mathis, photo de la petite Victoria, s'il vous plaît, mettez-moi la photo de la petite Victoria à l'écran, et la suivante. Victoria, la, Victoria qui, a, qui a dans les dernières semaines, a, a, a cette affiche, elle est magnifique. Après 25 mois de traitement et des centaines de pic-pics d'injections, 16 ponctions, j'ai combattu la leucémie et je l'ai vaincue. Dieu était là pour elle, il était là pour toi. Il est Dieu, il est plus qu'eux. il est partout. Voulez vous voulez applaudir Elohim qui est là pour vous et pour moi? Elohim est plus qu'un, il est transcendant. Elohim est partout, il est partout, il est proche. Et Elohim est le puissant créateur illimité dans ses possibilités. En termes théologiques, il est omnipotent. Genèse 1, 1 et 2, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le terme créer est seulement utilisé pour décrire Dieu dans la Bible. Il n'est pas utilisé pour les hommes, euh, les hommes et les femmes. C'est parce que Dieu, l'homme crée, c'est parce que, que l'homme crée à partir de quelque chose. Nous, nous créons à partir de quelque chose. Nous, nous revisitons, nous rassemblons, nous recalibrons, euh, nous réformons. Mais Dieu, mais l'homme, l'être humain crée à partir. Il n'y a pas un inventeur qui crée à partir de rien. On nous créons à partir de quelque chose. Seulement Dieu a la capacité de créer à partir de rien, de, de ex nihilo. Ex nihilo, qui veut dire du, du néant. La terre était informe et vide, du rien. Le, 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 le langage poétique qu'on retrouve souvent dans la Bible, dans des textes comme Job ou les psaumes, nous rappelle le, le Dieu de toute création. Dans Job 12, versets 7 à 9, il dit, « Demande aux étoiles du ciel et à tout ce que tu vois sur la terre et tu apprendras. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle te l'expliquera. Les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît pas chez eux la preuve ?» De la main de l'Éternel qui a fait toute chose, il tient dans sa main le souffle de tout ce qui vit et l'âme de l'homme. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu, dans l'ancien et dans le Nouveau Testament, Dieu confronte lorsque euh, ceux qui marchent avec lui doutent de ses capacités. C'est pour ça que Dieu, Dieu dira à Abraham, lorsque Abraham en doute ce que Dieu lui promet, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Je suis le créateur, moi. J'ai créé une parole et j'ai créé les cieux et la terre. J'ai créé cet univers. C'est pour ça qu'il dira à Marie "Hé, hey, rien n'est impossible à Dieu." C'est pour ça qu'il dit à toi ou à quelqu'un ce matin qui est dans un, devant un mur d'impossibilité "Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu Regarde autour de toi. Regarde à cette création qui te rappelle que une parole de moi, ma main, ma parole est encore une parole créatrice." Est-ce que vous pouvez dire oui Élohim, c'est le Créateur tout-puissant. Élohim est le puissant Créateur, n'a pas besoin des matériaux ou, ou éléments que nous jugeons nécessaires. Il n'a besoin que de lui-même et d'un homme ou une femme qui va mettre sa foi en lui. Il y a toujours des situations dans nos vies où on dit, là, il n'y a plus rien, il n'y a rien, je vois rien qui pourrait s'apprendre à ça, si au moins il y avait, si avait ceci, s'il si y avait cela si au moins il y avait ceci, si au moins... Non, 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 non. Elohim, le, le puissant Créateur, n'a pas besoin des matériaux nécessaires. Il n'a besoin que de lui-même et d'un homme ou d'une femme qui va mettre sa confiance en Dieu. Il y a, il y a, il y a des portions de la théorie de, de l'évolution. Qui soutient que. Et Francis Cullen, le grand astrophysicien qui a participé au décodage du génome humain, qui est un, un des scientifiques les plus connus du monde, appelle cette pensée, appelle ça le, il, il appelle ça l'équation insensée. L'équation insensée, c'est cette portion de l'évolution, de la théorie de l'évolution, qui prétend que. Voici l'équation personne plus rien égale tout personne plus rien égale tout. Uh, Carlin appelle ça l'équation insensée. Les montres ont un concepteur, les peintures ont un peintre, les plans et dessins ont un dessinateur, les moindres réalisations ont un réalisateur et la création a un créateur. Et ce créateur là à partir de rien, lorsqu'il n'y a rien, veut et peut encore créer. Tu besoin de savoir qu'il n'est pas le Dieu qui répare seulement. il faut que tu lui donnes les bons outils, les bons contextes, les bonnes circonstances. Je n'ai rien dans mon arrière-plan, je n'ai rien dans ma famille, je n'ai rien dans mon hérédité, je n'ai rien qui me permet de. Rien, je ne vois rien dans la vie de mon fils, je ne vois rien, je ne vois rien. Dieu n'est pas, pas celui qui dit Je crée seulement si tu me donnes quelque chose avec lequel créer. Il peut créer de l'amour là où il n'y avait rien. Il peut créer de la paix là où il n'y avait plus rien. Il peut créer un mariage restauré là où il n'y avait plus rien. Il peut créer un avenir brillant là où il n'y avait rien. Il peut créer une destinée là où il n'y avait rien. Il peut créer une église sur 25 ans là où il n'y avait rien, qui a un impact sur la francophonie entière. Il est le Dieu qui prend ton ex nihilo et le néant dans lequel tu trouves. Lorsque seulement néant, informe et vide, tohu but informe et vide, et il va créer surnaturellement. Quelqu'un devrait dire oui. C'est important. Pourquoi est-ce que le, le, le télescope, le, 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 la, la nature entière selon les psaumes et la Bible est simplement là pour te rappeler? Te rappeler que celui qui a créé l'immensité de tout ça est capable de faire l'œuvre dans ton cœur. Hébreu 11.3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Pendant des siècles et des siècles, les croyants étaient perplexes par des versets comme ça. Comment ça, les mondes? Il y a juste notre monde, il y a juste notre planète. 1997, le télescope Hubble nous a fait découvrir... Écoutez bien, essayez d'élargir votre esprit pendant un instant. est si quelqu'un qui semble dormir près de vous? Réveillez-le pendant une seconde, c'est important. Le télescope Hubble nous a fait découvrir un nombre stupéfiant d'autres galaxies au-delà de la nôtre. Notre minuscule Terre est seulement dans une petite galaxie et notre constellation est comme un petit disque parmi les milliards d'autres galaxies. Suivez-moi bien. En fait, les scientifiques nous rapportent que chacune des 100 à 200 milliards de galaxies qu'ils ont, qu ont découvertes jusqu'à maintenant ont jusqu'à 100 milliards d'étoiles et de planètes dans chacune d'entre elles. Si ça, c'est difficile pour vous à saisir, ça vous donne mal à la tête ce matin, considérez seulement la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière de nous. La vitesse de la lumière est d'approximativement 300 km à la seconde. Andromède, si vous avez des amis sur Andromède et que vous leur envoyez un message à la, à la vitesse euh, d'une onde radio, qui est la, la vitesse euh, de la lumière, vous allez avoir la réponse dans 5 millions d'années. Lors de la funéraille récemment du, de l'astrophysicien Stephen Hawkins, ils ont envoyé, hein, au mois de mars, il est à 76 ans, et ils ont envoyé un message de sa voix synthétisée vers le trou noir. Le plus proche, le, le trou euh, le trou noir nommé 1A062000. Souvenez-vous de ça, ça va être sur l'examen. 1A062000. Le, il a envoyé un trou noir, se situe à seulement euh, 3500 années-lumière. Ils ont dit que ça va prendre 500 à 600 ans pour qu'ils reçoivent le message. Puis le gars dans la dit, c'est juste symbolique, bien sûr. Est-ce que je peux te dire que lorsque tu envoies un message à Dieu, il le reçoit dans la seconde main? Est-ce que je peux te dire que lorsqu'il est dans sa main et son doigt pour venir toucher une vie, il est encore capable de créer? Il a fait tout ça avec une parole seulement. Il est encore capable de créer des choses dans mon cœur. Voulez-vous applaudir avec moi, Elohim, le Dieu créateur? Avant... Que Dieu ne nous révèle et nous démontre sa douceur, sa patience, sa compassion qui est vraie. On va les découvrir dans les prochaines semaines et mois. Son cœur de père, sa grâce incomparable et infinie. Il se présente comme le tout-puissant Créateur. Qui sait tout, voit tout, est toujours présent et proche. Et qui peut tout, tout faire. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était... Informe et vide. La terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu, littéralement, c'est qui est euh, euh, dans, dans les bruits qui c'est juste la terre était sans vie, sans force. Elle était sans forme, sans beauté, sans ordre, sans lumière. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit Créons et le il est Elohim, il est le Dieu créateur, il est transcendant, il est partout, il est proche, il est plus que, il est le puissant créateur de toute possibilité et il est le Dieu personnel. Créons Dieu à notre image. Créons Dieu, alors nous allons créer l'homme, pardon, nous allons créer l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dès la création, le père, le fils et l'esprit sont présents On le, on, on le chante dans un cantique qu'on chante si tu étais là de la création fils unique du Dieu euh, très haut quel que soit ce qui est informe et vide dans ta vie dans ton passé, dans ton présent, dans ta vie, dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes carences ou dépendances, l'esprit peut encore créer des choses nouvelles, entièrement restaurées, surnaturellement. Et remarquez que ce n'est pas une création pour un résultat partiel. Nous allons, c'était informe et vide, c'était toi ou au but. Mais nous allons le créer à notre image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il est Elohim, il est Dieu. Euh, il est le Dieu créateur, et c'est pour ça. Et il se manifeste en Christ. C'est pour ça que nous lisons que si quelqu'un vient à Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses peuvent devenir nouvelles. Pourquoi Parce que le nom de Dieu c'est Elohim. Il est le Dieu tout-puissant créateur, et il est le Dieu personnel. Et, et, et son nom est Elohim. Notre Dieu est Elohim, et notre Dieu est Emmanuel. Amen. Elohim est venu parmi nous, proche de nous. L'évangile de Matthieu. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Emmanuel qui veut dire Dieu est maintenant. Elohim est maintenant, le Créateur est maintenant avec nous tous les noms et les promesses de Dieu sont accomplis en Jésus-Christ. L'essence de ce passage c'est que Dieu est devenu, a pris forme humaine afin que toute puissance et les noms de Dieu soient révélés en Christ. Jésus est l'image, Colossiens 1:15, la représentation du Dieu invisible. Euh, Hébreux 1:2-3, dans, dans ces temps des derniers temps que nous vivons, Dieu nous a parlé par le fils par lequel il a aussi créé le monde qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toute chose par sa parole puissante. Dieu n'a pas fait son entrée sur la terre le matin de Noël. Dieu, euh, Jésus, n'a la... pas fait son entrée sur la terre le matin de Noël. Jésus était avec Dieu, était en Dieu, était Dieu à la création du monde. Et il vient pour créer encore aujourd'hui tous les plans, les dessins, les capacités, les guérisons. Littéralement créer la nouvelle personne qu'il voulait que tu sois et que tu puisses peux devenir pour cette vie et pour une vie éternelle en lui. Il était Elohim et parmi nous. Il est personnel. Il est Jésus. Il, est, il était chair et os, parfaitement humain, mais aussi parfaitement divin. Il était chair et os. Et c'est pour ça qu'il pouvait avoir faim. Il a eu faim parce qu'il était entièrement humain. Mais il a nourri 5000 personnes parce qu'il était le pain de vie, il était entièrement euh, divin. Il a eu soif parce qu'il était entièrement euh, humain, euh, mais il a marché sur l'eau parce qu'il était entièrement divin. Il a grandi en connaissance et en stature parce qu'il était pleinement humain, mais il connaissait les, les pensées, les cœurs des hommes parce qu'il était pleinement Dieu. À un moment, il agonise sur une croix parce qu'il il meurt crucifié parce qu'il était entièrement humain, mais le troisième jour, il va ressusciter parce qu'il était entièrement Dieu et le même pouvoir de la résurrection devient personnel dans ma vie et il peut créer en moi. Oh, vous devriez applaudir, c'est la création, c'est Elohim qui devient Emmanuel. Vous vous n'avez pas un petit peu la pensée que nos standards chrétiens sont trop bas, C'est vous n'avez pas un petit peu la pensée de l'espèce de ça, regardez à où les, les chrétiens arrêtent. Ils permettent à Dieu d'agir ou de ne pas agir. Ils arrêtent de le laisser travailler en eux. nous donne l'image d'un Dieu qui est un bricoleur, qui essaye de rafistoler, comme on dit au Québec, qui est es moins, un petit peu moins pire qu'avant, un petit peu moins pire, ou complètement pareil, mais tu es, es sauvé, tu es pardonné. Non, non, non. Il est le Dieu créateur. Elohim est Emmanuel, il a créé la création de toute chose, et en Christ, nous voulons, nous pouvons devenir des nouvelles créations à l'image de Dieu. Son amour, sa paix, ses forces, sa grâce, son cœur de justice a retransmis l'empreinte de Dieu dans chacune de nos vies. Allons-nous le laisser faire après vous dites, oh, Ça fait des années que je suis chrétien. Allons-nous le laisser faire son œuvre de création et créer en nous ce qu'il veut que nous soyons en tant que peuple mm -hmm. C'est Jésus, Emmanuel, et Elohim Saint, est parmi nous, et c'est Emmanuel. Il est personnel, il est, il, est, il est plus que, il était partout, il, tra il est transcendant, il est omniprésent, il est, il est omnipotent, mais il est aussi, il est Jésus. Elohim, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Dernier verset, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Elohim bien. Et c'est pour ça que euh, lorsque nous étudions les, les différents noms de Dieu, et même lorsque vous lisez la Bible, la Bible, c'est l'amalgame la, de 66 livres qui ont été écrits sur des millénaires à différentes époques, différents auteurs, dans une harmonie autant historique qu'une euh, harmonie parfaite d'accomplissement de l'Ancien du Nouveau Testament sur des centaines et centaines d'années. Mais ce que vous réalisez ce matin, que Jésus est dans chaque livre de la Bible. Que Jésus, le Elohim de Genèse 1.1, qui s'accomplit dans Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus est dans, c'est la dernière chose que je vais vous dire ce matin, si vous n'avez pas encore dit « Amen », si vous n'êtes pas encore monté, montré une, une mesure d'enthousiasme, de, de, si vous avez survécu à cette leçon de théologie ce matin, c'est le moment, c'est la dernière chose. Les musiciens s'approchent, les musiciens s'en viennent, et je veux juste vous rappeler que Jésus que ça vient, sont déjà là. Ces musiciens transcendent le temps et l'espace. Ils sont, ils sont là. Ils m'attendent. Non, Jésus est là. Jésus est Elohim et il est tout puissant, le Créateur. Mais il est aussi Emmanuel, qui vient proche, qui est personnel. Dans la Genèse, il est dans le premier livre de la Bible. Il est le Créateur de toutes choses. Mais il est aussi celui, Genèse 3,15, qui écrasera la tête du serpent. Dans Exode, il est le feu qui les conduit pendant la nuit et la nuée pendant le jour qui nous conduit encore aujourd'hui. Dans le Lévitique et le Nom, il est le souverain sacrificateur qui intercède pour son peuple dans les lieux saints comme Jésus intercède pour nous. Dans le Deutéronome, Jésus est à la fois celui qui porte nos bras et l'image de celui dont les bras ne se fatiguent jamais. Dans Josué, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Dans les juges, il est l'épée de Dieu. Dans Ruth, il est l'époux parfait qui prend soin de son épouse, comme Jésus prend soin de nous, de son Église, son épouse. Dans 1er et 2e Samuel, il est celui qui appelle les jeunes à son service et il les appelle encore. Dans 1er et 2e Roi, je vois Jésus, il est ce char de feu qui ramène Élie vers le ciel, qui va amener notre ami Marc bientôt vers lui, qui va amener chacun de nous en lui pour transcender le temps et être avec lui pour toujours. Dans 1er et 2e Chronique, il la gloire de Dieu qui remplit le temple de Salomon et sa gloire vient maintenant remplir le temple de nos vies. Dites Amen à n'importe quel moment. Je le vois dans Esdras et Néhémie, la voix qui appelle une nation brisée à reconstruire des murs qui avaient été détruits et qui nous appelle en Christ à rebâtir des vies. Je le vois dans Esther, il est la figure royale qui intercède pour les personnes qu'il aime passionnément. Dans Job, il est la patience divine qui pousse cet homme avec confiance à crier Même jusqu'à ma mort, je continuerai à me confier en lui. Dans les psaumes, il est le bon berger qui nous conduit près des eaux paisibles et restaure notre âme. Dans les proverbes, Ecclésiaste, il est le commencement de toute sagesse qu'il veut encore donner aujourd'hui. Dans le Cantique des Cantiques, il est l'image, et il est l'incarnation il est de l'amour entre un homme et une femme, et de Dieu envers nous. Dans, il est l'image du fiancé parfait, là encore, dans Isaïe. Il est l'agneau immolé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités. Je vois Jésus dans Jérémie et dans Lamentation. Il est la voix qui appelle un jeune homme et lui dit Avant ta naissance, je te connaissais. Et avant que tu sois même sorti du ventre de ta mère, je t'appelais. Et Jésus appelle encore aujourd'hui, quel que soit d'où tu viens, à être une nouvelle création. Oh, dans Ézéchiel, il est le vent des quatre coins de la terre qui réanime une vallée d'ossements sèches. Dans la louange et l'adoration, il nous réanime encore aujourd'hui. Dans Daniel, il est le rocher qui sortant des montagnes, sans l'aide de main humaine, va dominer sur toute chose à la fin des temps, sur toute nation qui plieront le genou devant lui. Dans Osée, il est le mari, de le Dieu plein de grâce et affectueux qui pardonne et rachète et nous reprend toujours. Dans Joël, Amos, Abdias, Jonas, Miché, Naïm, Abbachuk, Sophonie, Zacharie, Malachi. Il inspire la voix des derniers prophètes. Il est celui qui, pa qui parle et prépare l'œuvre rédemptrice et annonce comme il nous appelle, comme Jésus en nous nous appelle à annoncer son nom véritable à ceux qui ne le connaissent pas. Dans Matthieu, le nouveau-né en mailloté, couché dans une mangeoire, mais aussi le lion de la tribu de Judas. Dans Marc, il est celui qui guérit les aveugles, les sourds, les, les lépreux, et il guérit encore aujourd'hui. Dans Luc, il est le grand médecin, il est le Christ de la croix, il est le Seigneur ressuscité. Dans Jean, Jésus est Dieu fait chair parmi nous. Dans les actes, il est celui qui déverse son esprit et la puissance sur les nouveaux croyants, et il déverse encore sa puissance sur nous aujourd'hui. Dans Romain, il est l'ultime accomplissement de la loi, le seul capable de nous libérer de toute condamnation. Et en Jésus, pour toi ce matin, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans les lettres à Corinthe, au Galate, à Éphèse, à Philippe, pourquoi aussi à Thessalonique? Il est la plénitude de la vie abondante qu'il offre à chacun de ses enfants. Dans Timothée, Tite et Philemon, il est l'appel et la passion de jeunes qui se consacrent à une vie de service pour Dieu. Dans Hébreu, il est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, de Elohim à Emmanuel, à vous et moi, dans son Église aujourd'hui. Dans Jacques, Pierre et Jude, il est la plus grande puissance de l'univers, la puissance triomphante de l'amour. Et dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il est le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il est Elohim et il est Emmanuel. Il va applaudir avec moi, il est Elohim et il est Emmanuel. Vous savez, vous savez, dans quelques minutes, dans 30 minutes, la Coupe du Monde va commencer. Et si les bleus gagnent, allez les bleus, si les bleus gagnent, vous allez avoir partout à travers la francophonie. J'étais à Paris il y a deux semaines lorsqu'ils sont, sont simplement rendus en quart de finale à l'hôtel où j'étais. Les gens couraient, sautaient partout dans le lobby. entendu ça crier partout dans les chambres euh, autour de nous. J'aimerais qu'on puisse se lever dans la maison de Dieu ce matin et donner une acclamation à Elohim qui est Emmanuel, qui est Dieu. Mais vous lui donnez une nomination. Alléluia. Manchez la tête avec moi, je vais rendre ça très personnel parce que Elohim, le Dieu Tout-Puissant, il est plus qu'il est transcendant. Il est partout, mais il est proche. Il est omniprésent. Il est le puissant créateur de toute possibilité. Il est omnipotent. Et Elohim est venu parmi nous. Il est personnel. Il est Emmanuel. Il est Jésus. Je vais faire un appel ce matin pendant que toutes les têtes sont penchées. Si vous êtes ici, vous dites J'étais en exil de Dieu, sans savoir qui était pour être ici ce matin. Dieu vous connaît parfaitement. J'ai eu dans la prière toute la semaine sur mon cœur qu'il y avait des personnes qui sont d'une façon ou d'une autre étaient en exil de Dieu, s'éloignaient, s'étaient éloignées de Dieu, étaient en exil de Lui. Peut-être que vous avez eu une mauvaise représentation de qui il est. Dans des gens qui vous aviez confiance, dans des gens qui parlaient pour Dieu, chantaient pour Dieu, représentaient Dieu. Cette mauvaise représentation humaine vous a éloigné de Son nom. Et ce matin, vous dites :« J'étais en exil de Dieu, mais je veux revenir à Lui. » Je ne fais pas d'appel à l'avant, mais c'est un moment historique, c'est un moment solennel pour vous. C'est une date, c'est 15 juillet. 2018 qui peut faire une différence pour toujours dans votre vie, dans ta vie. Si tu t'abandonnes à lui ce matin, vous êtes ici ce matin vous dites, j'étais en exil de Dieu, mais je veux revenir à Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas seulement Elohim, il est Emmanuel, il est venu à moi. Je reconnais mon besoin de lui ce matin. Je veux revenir à Dieu. Voulez-vous simplement laver votre main là où vous êtes, partout à travers le Seigneur? Wow! Des gens partout, partout, dans, partout. Je vais prier pour vous dans un instant, mais je vais demander au plus grand nombre possible. Vous dites, ce matin est un matin important pour moi, je veux revenir à Dieu. Lorsque la réunion va se terminer, arrêtez-vous un moment à l'espace. Bienvenue. C'est un Dieu personnel et il y a quelqu'un qui est là qui peut t'écouter, prier avec toi, saisir ce moment, rendre ce moment spécial et t'offrir tout ce qu'il y a de, de ressources ici pour toi. J'ai à cœur de faire cet appel aussi. Vous êtes ici ce matin et vous dites, je le sentais tellement loin de moi. Je me sentais loin de lui, je le sentais loin de moi. Mais ce matin, je veux revenir. Ce matin, j'entends qu'il est Elohim, qu'il ne m'a jamais quitté. Et je prie que son esprit vienne réécrire sur mon cœur sa proximité à ma vie. Simplement de, de le reconnaître ce matin, je me sentais loin de lui, je le sentais loin de moi. J'aimerais vous demander de lever votre main pas à travers ce lieu, Seigneur. Oh Dieu, tu vois l'écart de tous ces hommes et ces femmes. Viens, viens, mon Dieu, toucher leur vie. Viens leur révéler à nouveau qui tu es. Quelqu'un qui est ici ce matin qui dit, je souffre, je souffre actuellement d'une situation qui dure depuis beaucoup de temps. C'est une situation familiale, c'est une situation relationnelle, c'est une situation qui te fait mal et ça fait beaucoup de temps, ça fait tellement de temps. Mais ce matin, je veux remettre mes temps, je veux remettre ce temps dans les mains de Dieu. Je n'abandonnerai pas. Je ne, je, je ne, ne désespérerai pas. Je vais mettre ma confiance en lui parce qu'il transcende le temps. Le temps est entre ses mains et Dieu a une œuvre parfaite. Il va donner un, un fruit transcendant de victoire à ma prière, à ma vie, à mon cœur. devant Lui. Vous aviez quelque chose qui durait depuis longtemps, mais ce matin vous voulez le remettre avec confiance dans les mains de Dieu. Voulez-vous juste lever votre main pour toi traverser. On, et garde ses mains élevées. Seigneur, on te, on te le remet. Commence à lui Remets ce matin, Je le mets entre tes mains, mon Dieu. Il y a, il y a un informé vide dans ma vie. Il y a, il y a une, il, y a une, il y a une portion de ma vie qui est et vide. J'ai dit les mots, il y a plus rien. J'ai plus rien pour lui, j'ai plus rien pour elle. Il n'y a plus rien. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien, c'est informé. Je ne vois que que, que, que ténèbres en ce moment. Mais Seigneur, je te, je réalise ce matin, j'ai entendu ce matin et c'est venu, c'est venu allumer quelque chose dans mon âme. Je pensais que tu avais besoin de ceci, il faut que ça arrive, il faut que ça arrive, faut qu il faut qu'il y ait au moins ça, il faut que je vois au moins ça. Mais Seigneur, tu n'as besoin de personne ou rien d'autre que de toi-même. Tu pars à partir de rien et tu crées. Alors ce matin, je t'offre mes rien. Je t'offre mes informés vides. Je t'offre mes je n'y vois rien, je n'y peux rien, je ne comprends rien. Je le remets entre tes mains et je sais, Seigneur mon Dieu, que tu vas agir parce que tu es non seulement Elohim. Tout-puissant Créateur, mais Tu es Emmanuel, Tu es personnel, et Tu viens dans ma vie, dans le nom de Jésus. Me voici devant Toi. Donc, chantez ensemble, chantez Son nom.